Eh bien salut tout le monde, c'est AeroStream. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Si vous avez regardé ma dernière vidéo sur Star Citizen que j'ai fait il y a quelques jours de ça, vous devez déjà être capable de prendre votre vaisseau et de faire quelques vols. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de gagner un peu d'argent dans le jeu, voire même pas mal d'argent si vous farmez pendant quelques heures. Et pour ça, je vais vous proposer d'aller faire quelques missions de livraison de colis. Ce ne sont pas les missions qui rapportent le plus dans le jeu, mais elles ont l'avantage d'être très faciles à faire et de vous apprendre à piloter. Ce sont des missions où vous allez devoir récupérer une boîte à un point de collecte et l'emmener à un autre point de livraison. Même si ce n'est pas le farm qui rapporte le plus dans le jeu, je vais vous expliquer un petit peu comment optimiser tout ça pour quand même faire un farm qui soit un minimum intéressant. Ces missions ont l'avantage, quand vous débutez, de vous permettre de vous entraîner aux bases de pilotage, puisque vous allez faire de nombreux atterrissages et décollages avec votre vaisseau. Alors pour lancer la mission, il va falloir que vous alliez sur votre MobiGlass dans l'onglet General Delivery. Alors faites bien attention, il y a plusieurs types de missions, certaines sont plus longues que d'autres, donc généralement ils rapportent 8000 USC, il faut compter à peu près 15 minutes pour faire chaque mission. Et ce qu'il faut faire attention, c'est que vous alliez chercher les 3 colis dans des points de collecte différents, et que vous les livrez dans le même point de collecte. Ou que vous alliez chercher les 3 colis dans le même point de collecte pour les livrer dans 3 points de collecte différents. Certaines missions de livraison, ils peuvent vous demander d'aller chercher les 3 colis dans 3 points de collecte et les livrer dans 3 points de collecte différents également. Et ce qui fait que du coup, ce type de mission de livraison, c'est les moins intéressantes parce que c'est les plus longues. Si vous voulez optimiser votre farm en faisant des missions de livraison, bien souvent, si vous cherchez un petit peu dans votre MobiGlass, quand vous avez fini votre première mission, que vous avez déposé tous vos colis, vous trouverez souvent une autre mission où vous aurez un colis à aller chercher là où vous avez déposé tous vos colis. Ce qui fait que du coup, il ne vous restera plus que 2 colis à aller chercher avant d'aller tout livrer. Au niveau du vaisseau, il faut que votre vaisseau puisse porter une boîte. Donc moi, je vous conseille généralement l'Avenger Titan qui est vraiment parfait pour ce genre de mission. Puisque c'est un petit cargo qui est idéal pour ça, qui est facile à piloter. Au niveau de la rentabilité, généralement, j'arrive à faire environ 3 missions par heure à peu près. Ce qui me fait à peu près 24 000 UEC. Je vous conseille de faire ces missions jusqu'à atteindre les 50 000 UEC, voire 100 000. Avec ce capital de départ, on pourra attaquer le commerce et bien plus s'enrichir dans le jeu. Je pense vous avoir tout dit pour que vous puissiez commencer à gagner de l'argent dans le jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker et commenter la vidéo, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Salut tout le monde!